Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. C'est dimanche, c'est le talk show. Rappelez-vous bien, si c'est dimanche, c'est le talk show. Et nous montrons la carrière chaque dimanche à partir de 3 h. Quel que soit contrôle, il y a un connectique là, on est capable de capter nous à partir de 3 h sous Channel 88 en Cablevision. Et puis, sous Frontier, on est capable de regarder sous 77. Donc, nous disons encore une fois merci pour fidélité, ou merci pour hospitalité, ou et merci que vous choisissez de tel show. Non, moi, c'est Jean-René. Et téléspectateurs fanatiques Télé Show, ça avec un peu de plaisir, moi-même, moi, je suis là via Télé Show pour porter, comme d'habitude, bonjour, information, bah, des bagailles qui capable capables avancer, des bagailles qui capable faut réfléchir tout. Et dans ce sens, ça, nous disons, nous pas bouquer chercher bonjour, information pour lorsque sur ça, on va pouvoir que son bagaille qui confirmé, non, moi, c'est Claude Jean-Jacques pour Télé Show. Mesdames, Messieurs, nous apprenons un break, nous apprenons tout à l'heure avec grand titre que nous avons pour nous développer pour. À tout à l'heure. Bon, Mesdames, Messieurs, nous retournons, ben, nous allons aller à bon, grand titre, mais avant même que nous voyons grand titre, pour nous dire que jeudi à l'heure, nous avons pour nous recevoir deux invités qui réellement fait poids. Et les nous arrivés sur yo, qui est sur yo. Consacrer temps ça pour nous garder deux invités ça yo, parce que li fait sens pour nous pour nous tendre yo, pour nous garder yo, pour nous tendre yo. Donc, on y a là avec grand sitio que nous gagnons, Claude, nous avons couvert la visite de Jean-Victor Généus. 77e Assemblée des Nations Unies. Donc, ouais, et puis ensuite, bon, nous avons couvert la situation qui est dans le pays, lock là, on va se croire. Continuez lock. Continuez lock. Ouais. Et puis lock, ça, c'est un lock qui prend l'autre sens, tout, parce que il affecte un peu l'autre bagaille. Ouais. So, nous avons retourner ça avec ça pour le développement grand site ça. Ouais. Donc, Claude, vous avez un profiter? Non, ok, c'est. Après, ils font tout d'horizon de situation politique en Haïti. Ok, ça, on a tout commencé avec une victoire, on va dire. Ok. Bon, mon cher Tandre, qu'est-ce que vous pensez de visite à Jean-Victor Généus en 77e Assemblée? Parce que, bon, confusion là. Ok, et j'ai noté tout à l'heure, off camera, que ok, monsieur, il y a une mission pour aller à l'adresse Ariel Henry devant l'Assemblée. Ok, il fait travail, il fait les gens qui ont été demandés pour le faire là. Mais, côté qui vient créer problème là, pour moi-même, côté qui vient créer problème, c'est côté que le monsieur a parlé dans le conseil de sécurité. Hein, côté que monsieur fait connaître que, ok, d'accord, on n'a pas rien qu'à marcher, mais toute bagaille globalement sous contrôle. Bon, pour moi, ministre des Affaires étrangères à Haïti, pour moi, les premiers bagailles, les faits, les bagailles tête longue à l'autre. Non-sens. Les bâtons tête l'un qu'à l'autre. Deuxième barrière, il fait comme on trouve pas normal tout. C'est que les présenter tête les à l'ONU comme un menteur. Parce que le monde international, l'OTAN de la Chine, la Russie, les États-Unis, le Mexique, Apchita pour la République dominicaine, Apchita pour poser problème à Haïti. Et puis, ni dans le discours, ni dans l'intervention dans le Conseil de sécurité, pour dire tout le bagage sous contrôle. Qui est sous contrôle là, mon Dieu? Bon, et puis, comment arriver tout pendant ce temps, l'on a regardé, où est que, quand on est à la banane, on a parlé là, l'hôpital a fermé, il y a un factory qui fermé, ça a gagné pour ce Non, mais tout le bagage est fermé dans le pays. Tout le bagage est fermé. Vous voyez? Et puis, bon. Mon ap mouri, pas de gaz. Yo pa ka menm gen aksè a li va ou,
Parce que Il Genève campé devant Varoul, dit moun pas rentrer, terminal pétrolier, côté pour Alvin Gaza, il a laissé la police, a laissé ces cartouches qui fait nèg courir back. Hey, pas gagné, c'est ça que je me dis, ouais. Bon, pas comprendre rien. Pour moi, certaines fois, Haïtiens, les aveugles. Parce que même le où sont hommes politiques qui n'ont gouvernement, mais lorsqu'ils ont une position pour être ministre dans la société, ou appelé à des postes qui pi haut. Beaucoup n'y est là. Pour Chita, pour dire gros c'est bagaille ça, pardon, c'est gros c'est bagaille ça. Et le monde, Allez. c'est quand elle dit là, tout, Oui, tout le monde non, mais c'est devant le monde, tout le monde. Bon, il semblait, pour moi, il semblait ministre des Affaires étrangères haïtien, par contre, ça a passé à Haïti, Haïti. que Il y a eu plus la contact Chine, avec lui, que monsieur exactement. la Chine. Parce que, représenter la Chine, la Chine, la Russie surtout, yo bon bagarre l'argent lié à cap passe en Haïti. Pour Non, monsieur Généus, monsieur Audacieux, pour monsieur Généus, quand il est audacieux, ministre affaires d'Haïti, dit à part quelques des situations que nous avons contrôlées, tout bon, va bien généralement marcher. nous avons contrôlé tout Tout bagarre. va bien. Pendant ce temps, gang dans tout côté là, Ah, pays là, bon, gang de manifestation, gang imposé l'État, gaz, kidnapping augmenté. Semaine passée, à kidnapping augmenté. Je dis à la que bon, semblait que ont envahi en Bellevue, donc on a gagné Bellevue, gagné Belleville. On a envahi Bellevue, on est prêt pour entrer dans Belleville. Parce que au Cap, t'es une grosse Oui, manifestation. qu'on a une Une manifestation. grosse Il naïve tout. manifestation, Il naïve Gonaïve, vous tout. prenez Moïse Jean-Charles devant cette manifestation. C'est celle des politiques qui participent dans la manifestation. Tout le monde. Mais, so, dans ce sens, ça me pensait, il faut qu'Haïtien soit plus sérieux. Ok, on comprend, on voulait bailler en couleur. Mais mettons-y réalité là-dedans, tout petit, de façon à ce que pour ne pas paraître laide. Alors, imagine au président dominicain, capitaine de M. Abdil Sall, à Baïmatissa, pendant ce temps, la Dominicaine a un service secret. Cap chercher information en Haïti sur tout ça qu'a fait, l'a rapporté au Conseil de sécurité. C'est ça, le président dominicain, c'est même Blofeuille avec Claude Joseph, tout le monde, c'est ça, l'a dit. Non, même il Blofeuille. va pas nous au sérieux. Il va prendre au sérieux, regardez la situation avec Claude Joseph, qui sont les ministres des Affaires étrangères. Il va pas prendre au sérieux. Là, on fait ça, on va pas foutre pour au sérieux. Bon, et Claude, nous au courant que il y a un pile factory qui ferme dans le pays, il y a un pile l'hôpital qui ferme, côté que l'ambassade américaine, le département d'État, mandé pour ressortissants quitter le pays, parce que le pays sera invivable, parce que l'hôpital abrité, il n'a pas fonctionné, parce que pas de moyens pour fonctionner, non seulement à cause de l'affaire gang, deuxièmement, à cause de la situation pétrole là. Bien. Bon, c'était prévisible parce que gon contentieux entre peuple haïtien et Ariel Henry par rapport à la question de monter gaz à tout. Mais il y a un autre élément entré en jeu, l'élément gang. Et gang réellement bien armé et bien équipé, même certaines fois passé la police là. Et zone stratégique. Côté pétrole là, c'est gang C'est bien plus occupé. occupé, Genève et en famille allemande, une main toute, c'est les occupés par ça, et dit clair que eux-mêmes, ils ne peuvent pas quitter mon entrée là, ils fait face carré avec la police qui a essayé de faire pénétration. Pour te voir si tu as sorti, si tu es entré, elle fait quelques camions pour le gaz. Dénouement pas pour demain, situation a dégénéré vraiment, pile mon a mouru. Il y a une famine, il y a un gangou, il y a un gangou, il y a un gangou,
Et vous voyez, dans le monde qui mourut dans la situation ça, la semaine passée, il y a un ancien musicien et chanteur et Azo, qui était avec Azo, qui est le petit homme. Monsieur, dans l'hôpital, pas de gaz, puis on fait dialyse pour lui. C'est dans blackout. Petite, il m'était entendu qu'il parlait, il dit, puis on te mettait bah, là pour monsieur. Ça avec flash téléphone dans l'hôpital là, il a clairé pour qu'il mette et comment on appelle ça, solution pour monsieur. Et bon, monsieur passé devait arriver pas. Et monsieur, c'est un homme qui était très connu dans le groupe Azo, qui est un groupe racine, qui fait les beaux jours de vaudouisien haïtien. Et qui fait de belles musiques tout et dans le cadre culture haïtienne. Bon, pour nous, on est dans la même catégorie, dans la même catégorie, affaire de santé. Bon, hier, je matin, m'attendais une situation présentée, côté que pas de gaz dans l'hôpital. Là, il y a une dame qui était supposée faire en césarienne. Pas de gaz dans l'hôpital. C'est deux personnes qui étaient là, qui ont des machines, qui sont full de gaz, qui ont siphonné gaz dans la machine pour bailler l'hôpital là pour faire son opération. On va être terrible, ça. Hein? Bah, une humeur qui a passé. Hein? C'est Il y a quoi? un gaz dans la machine là, deux Non, mais machines pour bailler l'hôpital là pour être capable de faire césarienne. C'est C'est pas ça, tout le temps. Oui, c'est quoi Mdagadou, son pays qui est en situation de guerre. Nous n'avons qu'à continuer toujours, mais tellement qu'il y a eu pénible, nous Non, oui, n'avons mais c'est situation sur situation que décrescendo, manifestation, tu as une grève 2 jours, et grève là a continué. Bon, l'idée déjà, pas de gaz, pas de Pas de circulation. circulation, Qu'on y a une exactement. grève encore. Tout bas, ça a compilé l'une sur l'autre, fait que le pays n'a pas fonctionné. Côte d'Ivoire, pays a pas ni dirigé ni administré. Exactement. Mesdames, Messieurs, nous avons un break, nous avons retourné tout à l'heure pour nous procéder. Les étudiants sont divisés, la société est divisée, les mamans au marché sont divisées. Oh là, mon pays va mal, la Côte d'Ivoire va mal, mon pays va mal de mal, mon pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans, mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. Les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Oh là, mon pays va mal, la Côte d'Ivoire va mal, mon pays va mal, de mal, de mal, mon pays va mal, Rastafari. Ladies and gentlemen, the United Haitian American Society proudly presents the UHAS Annual Gala. Saturday, December 17, 2022, the number one spot to be is at Pistols Catering Hall, 1775 Madison Avenue, Bridgeport, Connecticut. Please join us in support of a good cause. Why not party the night away with great friends, great food, music, and more? Vin Fechelbel! Mesdames et messieurs, fanatiques Télocho toujours dehors, à chercher bon genre d'informations sur toute activité qu'a faite dans la communauté haïtienne. Et pour raison ça, je dis à moi-même, Maître Jean-Jacques, Claude Jean-Jacques, moi, mon privilège extraordinaire, rencontrer avec un monde bon, qui passe de présentation dans la communauté. Hein. Qui parle nous d'une activité qui fait chaque année,
et dans la communauté, dans le Connecticut, et qui va nous tout détail. C'est fort du livre là qui a fait année ça. Et bon, moi-même, je vais avoir plus d'informations. Je vais demander Pascal Millien Faustin, qui c'est un monde que la communauté a connaît très bien. Je ne vais même demander de faire présentation, même, parce que je connais déjà. Mais quand même, bah, on t'y rappelle. On t'y rappelle. Non, moi, c'est Pascal Millien Faustin. Moi, je voulais saluer toute fanatique Taylor Show et puis une belle présentation comme ça que nous jouons chaque semaine avec Taylor Show. Nous avons dit et staff là. Et nous avons Claude, nous avons Guy et puis nous avons Jean-René qui a fait un bel travail et nous applaudissons pour ça. Encore, m'a dit non, moi, c'est Pascal Millien Faustin. Josia, moi, je viens parler nous de Foire du Livre qui toujours fait dans Stamford. Année ça, nous changer, nous faisons dans Norwalk, plus précisément dans 188 Richards Avenue, qui est Norwalk Community College, donc East Campus. Donc, ça fait 23 ans depuis la communauté a toujours protocolé avec différentes organisations pour faire une Foire du Livre avec festival artisans, artisans haïtiens. Donc, dans la Foire, nous avons des gens qui sont tout partout dans le monde, tout partout, que c'est en Haïti, Hawaï et Canada, enfin. Depuis l'existé, depuis nos jeunes haïtiens qui paraient pour poter coller, pour venir faire promotion langue avec Kilti Lakay, ils ont rencontré avec nous, nous servir avec eux. Donc, fois ça, nous gagnons une célébration spéciale année. Un, non seulement nous changer espace, mais année ça a commémoré 100e anniversaire Émile Célestin Meji, un créoliste, un chercheur, un activiste, un écrivain, un poète. Yon éducateur. Donc en fait, Émile Célestin Meji portait un pile chapeau. Il écrit en français, comme ça tout, il écrit en créole. Mais créole là, c'était langue favori li. Année ça, 16 octobre, fait li un bon courir là, parce que il frappait 100 ans. 100 ans. Oh. Donc c'est pour ça n'a célébrer li et pour célébration ça, nous gagnons un invité d'honneur qui c'est Carole de Mesmin. Et qui pourra participer avec nous. Oh, c'est Gros Causé. Oui, Gros Causé. Carole de Mesmin a sorti en Floride. Et puis nous avons Jani Bogato qui a sorti au Canada, qui a venu célébrer avec nous. Nous avons un Pilatis qui a pourra le protocoler. Nous avons une dans c'est André Fouad qui pourra le mettre de cérémonie. Il y a Dr. Lunine Pierre-Jérôme qui a sorti Massachusetts. Il est un traducteur, il est un éducateur. En fait, donc kawe que gen en pile moun ka participer et puis une participant yo tout c'est moi-même et qui pour aller dans panel là. Donc jour ça n'a gagné Angelucci j'aime te dire nous qui pour ban nous un petit aperçu sous vie en personnel Émile Célestin Meji que en pile nan nourer les Togiram, dit c'est membre fondateur société Koukoui et dit travaille en pile l'en faire recherche pour aider langue créole là prendre j'arrête. Et c'est ça fait au kawe tounia tout partout et dans Twitter, sur WhatsApp et Facebook, tout le monde a frappé créole. Mais avant nous pas gain privilège ça parce que en pile un jeune garçon prend prison pour faciliter nous pour nous ka gagner opportunité ça pour nous utiliser langue créole là comme un bon outil communication pour yon ka comprendre l'autre sans nous passer. OK. Est-ce que dans foi ça, dans activité ça, a bien des livres qu'a exposé principalement livres que Émile Célestin Meji écrit? Oui, n'a joué un livre Émile Célestin Meji et puis n'a joué un paquet de livres tout, ça veut dire parer nous pour nous qu'a venir avec l'argent pour acheter livre et n'a tout supporté. Oui, n'a tout supporté artisan yo qui travaille, pour prendre un bon artiste, écrivain, poète. Qui viennent avec matériel qui pour encourager nous et puis qui quittent une littérature pour nous pour 100 ans, 200 ans plus tard, n'a pas joint œuvre qui était faite parce que qui s'en tabat pour nous et Oswald Durand, Robin Price Mass, Mounzaio pour nous joindre matériel ça yo, non seulement un, deux, mais au pluriel pour nous joindre à disponibilité nous dans toute l'école, dans toute bibliothèque qui t'a gagné, ou si t'a gagné, bon nous connaît nos gros problèmes avec les livres. En Haïti, mais ça t'a aidé vraiment, c'est pour encourager les gens qui produit, qu'on peut continuer à produire pour encourager. À part de livres qui a bien, j'ai plusieurs fois moi-même participé à l'activité ça, qui a une exposition tableau, qui a de l'autre bagaille.
Certainement, certainement. Nous avons gagné un tableau et nous avons gagné deux artistes qui ont sorti New York avec un bel tableau, belle couleur, comprendre couleur et primitif, bon bagaille et qui pour saluer artisans et ou bien artistes haïtiens yo dans le travail qu'il a fait qui tout partout parce que nous connaissons, nous gagnons pièces originales, nous gagnons un yeux pour un qui différent avec un pile le pays et il y a fois tout que au copier dans mais donc nous d'accord avec ça parce que nous connaissons, nous c'est premier dans pile bagaille. Et téléspectateurs, et comme t'as dit nous déjà, nous ouais, c'est pas une petite activité, c'est une grosse activité. Et dans ce sens ça, t'es le choix là et nous inviter ou même qui garder bah ça là jeudi à tout mettre dans cahier ou dans calepin ou sous tableau là cahier. Date là? Date là, c'est exactement samedi 8 octobre, commencer 1h pour 6h du soir. 8 octobre, 1h. Pour 6 heures du soir. Si vous avez n'importe l'autre bagaille, mettez-le sous côté. Venez dans le foire du livre. Et nous avons l'adresse toujours, c'est 188 Richards Avenue dans Norwalk, Connecticut. Et puis c'est toujours dans Norwalk Community College, East Campus. Okay. Et activité ça tout, Pascal, je pense que nous avons un gros coup de chapeau pour Dr. Bertier, qui est un pionnier et qui a fait activité ça. Oui, tout le monde qui est habitué à participer connaît que Dr. Bertier, c'est papa et activité ça. Il a toujours investi dans le talent pour assurer que non seulement nous représenter en tant que communauté dans le monde littéraire, mais dans le monde artistique tout, que nous présent. Et puis dans le monde social, là, nous là tout parce que à Pâques, il faut travailler et au cas où 23 ans, ce n'est pas 23 jours. Et nous connaissons que Foire du Livre, ça, c'est ka, et Foire du Livre qui est plus ancien dans la diaspora. Donc, nous commençons à lire, nous battons bravo pour Dr. Bertier, les Palagé, les Kembe, avec toute équipe dans APACIO, toute équipe dans la communauté, toute organisation, Société Koukoui, Haitian Women Association, UNESCO, Center for Global Friendship, et la Trier. Nous avons Guy Bossico, nous avons un paquet de fanatiques, nous avons Philip Burns, vous comprenez? Bon, en fait, et puis nous connaissons tous, c'est là, nous avons toujours fait lire dans Ferguson Library pendant 22 ans qui se passent. Et le COVID frappé, Ferguson Library et facilité nous faire lire en ligne, comme ça pour nous toujours continuer à faire dynamique là, qui et date qui a pu dérouler. Donc, un gros coup de chapeau pour Ferguson Library qui toujours pour faire promotion. Et avec nous, et puis qui gagne un paquet de collections de belles livres haïtiens qui en anglais, en français et en créole, qui dans la librairie, plus particulièrement dans la Southern Library. Donc, merci pour tout le support ça, que Ferguson est toujours bon nous. Mais Anessa, nous avons fait dans Norwalk Community College, dans 188 Richards Avenue. Téléspectateurs, bah, là, pour qu'on finisse, nous avons posé une tournée tout à l'heure, parce qu'avec M. Nombre Meyer, Chou Black, n'a pas le fond titre zin ou titre ribotage. Merci. Téléspectateurs, fanatiques Télé Show, comme moi te dis nous, son titre zin ou titre ribotage m'pote ba nous, sou sa ka, sa passe dans la communauté ya, samedi dernier. Et encore une fois, m'a dit Pascal, congratulations, que une organisation dans Connecticut là qui t'a choisi Pascal Milien Foustin pour te bali belle bagaille ça nous là jodia pour travail il fait dans communauté là pour gens que li représenter communauté haïtienne avec toutes les mêmes toutes forces gens participer dans toute bagaille. Pascal, parlez-nous de Sweet Mother et plaque ça que au fond là. Bon, Sweet Mother, c'est une organisation qui est fondée avec un paquet de femmes. Et femmes, ça, une majorité là-dedans, c'est en Afrique que vous sortez. Mais c'est une organisation mondiale. Donc, il y a toute qualité de monde qui sortit de tous côtés, de tous pays, et toute classe, tout rang social, etc. Donc, l'idée, mesdames, ça, c'est pour encourager jeunes filles qui prennent l'école. Bay au scholarship, bay au fond pour aider yo aller l'école, pour suivre étudio, pour yo ka préparer avenir yo parce que nous connaît les yo fi préparer
li ede non seulement communauté li, communauté li, li ede fami li, et puis yo yo pi serré, pi jambé pour aider toute communauté, a pas seulement moun ki dans zone yo, mais beyond, y aller plus loin toujours pour ka encourager plus et filles à aller l'école. Donc ça son exemple pendant y a aider l'autre jeune fille à aller l'école. Yo même tout yo espérer que madame ça yo pour aider l'autre monde dans zone yo dans communauté yo aller l'école tout pour mettre éducation et en première place dans vie yo. Et téléspectateurs, you never m'a dit t'es là chuté sous place le ça t'a regardé et observé et cérémonie hein, et dans moment ça t'es gain l'autre monde que yo t'es bail tout des plaques d'honneur but réellement c'est deux monde. Dans la présentation, il montre ça, mon ça au fait, qui j'ai mon à dupliquer le travail et suite moderne. Et bon, ou même Pascal, qui j'en recevoir plaque ça. Bon, c'est avec un pile humilité que moi recevoir plaque ça, parce que moi connais et moi pas pour moi dans communauté, moi entouré avec un paquet de femmes, coups garçons vaillants qui non seulement yo gagné, yo joignent. Dans la communauté, dans le passé, que c'est les parents qui te voient l'école, ou bien que c'est l'État qui te voient pour eux, l'école, ils ont joué et puis ils arrivent dans une position où ils ont la communauté en retour. Donc, moi, entouré avec une belle équipe, tout partout, qui a fait le même travail que ma fait. Et puis, moi, j'ai une chance que c'est moi-même qui ai été sélectionné et d'après la présentation qui était faite. Mais il faut me dire, moi, je voulais dire bravo pour la communauté haïtienne, non, parce que nous avons un paquet de leaders. Et qui était présent et yo vite applaudi moi mais applaudissement yo moi partager avec yo parce que yo même tout yo fait même travail avec toi. OK et téléspectateurs encore une fois n'a dit Pascal un gros merci pour travail li fait dans communauté et congratulate Pascal tout pour et plaque ça que le recevoir Pascal m'espère on a rencontre sur plateau Télochon l'autre fois encore avec une autre plaque. Définitivement, donc je connais ma propre côté de la show parce que nous avons plein d'activités qui ont fait et samedi 8 octobre dans le 23e annuel Book Fair et Festival Haïtien qui pourra le faire dans 188 Richards Avenue qui est Norwalk Community College East Campus parce que c'est une belle célébration et d'après recherche nous et dans la diaspora c'est Book Fair ça, Festival Livre ça qui est plus ancien dans la diaspora. Donc, nous fiers de la communauté, nous fiers de travail que Dr. Berthier entreprend. Et li, parce que c'est assemblé une bénédiction parce que la fête dans Norwalk Community College, côté Dr. Berthier, ça a toujours te commencé une organisation qui est ASTA, donc Haitian Student Association, qui est ASTA, ça, c'est au même cap host nous. Norwalk Community College pour 23e célébration ça qu'a réalisé. Donc un gros coup de chapeau pour Dr. Berthier, un gros coup de chapeau pour tout staff dans APAC, dans Société Coucouille et pour Philip Burns. Bon, tellement de monde nous va connaître une cité dans tout le monde. Donc bravo, bravo et puis on a continué et puis nous vous demandez pour toute communauté à venir, venir supporter belle initiative ça pour monde qui en zot qui pas connaît qui ça haïtien qui en bas et dans Jacoutio. Découvrir nous, apprendre de qui est nous et puis bon nous respect que nous méritons. 1804 c'est nous mêmes. C'est ça. N'a pas qu'un gabo ça bien haut et téléspectateurs n'a nous besoin full salsa venez assister gros activité ça et en plus est-ce que faut payer? Li gratis. Gratis chéri. Et puis, nous avons un rafraîchissement. Ah, vous comprenez? Bon. Nous avons commencé de 1h jusqu'à 6h du soir et nous connaissons et nous mettons le SAO dans l'université. Ça veut dire qu'il faut respecter. Donc, vini bonheur. Et puis, nous avons un parking. Nous avons un parking à gogo, parking gratis. Donc, c'est un bel établissement. Et tout le monde qui est habitué avec nous au Community College connaît l'ambiance. Mm-hmm. C'est une belle organisation. C'est un bel espace. Très donc, c'est la première fois qu'on a fait le bois et puis nous connaissons un bel succès là-dedans. Et puis, nous voulons dire merci à Ferguson Library qui toujours supporte nous. Il est présent toujours, mais Anessa on a utilisé Norwalk Community College pour le 23e festival livre avec Atizai haïtien. Téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous d'être avec Pascal. Et on va envie de quitter là, mais comme il y a une responsabilité, il y a un travail
activité la fait, m'a quitté l'aller. Comme moi dit, nous espérons rencontrer la prochaine fois. À bientôt, n'a pas tourné tout à l'heure. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, and queens and kings, I stand before you, embodying the spirit of my ancestors. I am the daughter of 1804, the first black republic in the world, Haiti. The famous quote in Africa, it takes a village. And the village is not where we live, but the village is our world. So no matter where we are, no matter where we live, we are part of that one village, one world, one people. So wherever you are, do you help, love, share, cherish, be you. So thank you for my friends, my own village here, coming to support me. Daughters and sons of Africa, because Africa is the beginning of humanity. Yeah. Yeah. Mother, I bow and applaud for the wonderful work they have been doing. And the reason that you guys are here is only because you two work in the community and acknowledge and appreciate others that are doing the same work, better or even greater, but you still cherish and encourage. So a special salute to you, and I applaud you and salute you. May the spirit of Africa, may the spirit of my ancestors, embrace you, push you, support you, and sustain you. Thank you. Bonsoir téléspectateurs, jodi an, c'est moi-même encore qui vini avec nous sur un nouveau rubrique que n'a passé très rapidement sous ça. Merci en pile d'être que nous là, nous fidèles avec Télocho. Non, moi c'est Jeannette Jean-Pierre, comme nous connaît, tout ça me connaît, dans la communauté en forme passée pour nous-mêmes. Jodi an, nous vini parler brièvement de Medicare. Medicare différent avec Medicaid. Medicare, c'est l'organe 65 ans, ou travaille dans le pays ici pendant 10 ans ou gen droit pour yo ba Medicare pendant que ou a touché social sécurité en commun le ça rele le retired là le en retraite. Donc c'est ainsi que gen deux parties dans Medicare là, partie A, partie B. En pile nan nou c'est kounya n'a retired ou bien que 65 ans apprend nous peut-être dans 6 mois ou bien dans 3 mois. C'est depuis kounya là pour commencer. Ou est-ce qu'on a appliqué pour porte A1, même pour porte B1, même, ça dépend, parce que si nous quittons le travail, là, retirer assurance nous, donc avant que nous rentrions dans Medicare partie B1, des fois, temps pour nous prendre, pour nous appliquer pour partie B1, nous est capable, après quelques mois, de charger ou les pénalités. Ça veut dire, ou appliquer antigen trop tard, qu'on a chargé ou un pourcentage qui petit, mais quand même, cap déranger nous dans corps social là il y a vrai pour nous. Donc partie B hein, c'est partie A c'est partie l'hôpital là. Partie B hein, c'est partie et médicaments avec l'autre bagaille qui la donne yo etc. docteur appointment. Mais tous les deux ensemble ou capable appliquer pour un bail Medicare Advantage. Comme on dit nous c'est pas m'a passé sous lit parce que nous pas gain temps pour nous développer tout ça mais comme temps et tout prêt. La open enrollment period là a commencé le 15 octobre depuis qu'on y a pour nous préparer nous pour nous connaître qui ça n'a besoin. N'a pas gen moun k'ap rele nous tout côté China parler moun nous connaît tout ba yo téléphone un petit coup de fil un agent après les ou India quelque soit côté lien et puis qu'on y a la parle un paquet anglais ou pas même k'ap comprendre même et puis pour le vin di ou vini vini un client
Puis gars nous prenons piège ça yo parce que un paquet moun ça yo c'est là au fin faire un paquet et mauvaise expérience c'est l'autre monde qui parle langue yo à chercher pour corriger pour yo. C'est peut-être ça maintenant là pour nous dans communauté hein. Si nous besoin quelque information, quelque éducation qui répond question nous besoin qui pour répondre ou bien on plan nous ta capable ouais qui ça cladani etc. etc. nous te capoué ensemble avec moi. M'a trop content pour m'aider nous parce que m'parle non seulement m'parle langue nous et puis m'konn ba yo tout dans training yo m'licencié pour ça m'a fait et nous cap toujours konn côté nous ka joindre moi. Taylor Show capable toujours ban un numéro de téléphone moi. Moi même tout téléphone pam c'est 203 246 2026. Non moi c'est Jeannette Jean-Pierre encore en fois. Now pour nous venir on même rubrique là n'a fonti tout doucement on t'y élaboré dans quelques secondes donc now nous gagnons de janvier même le en de octobre à décembre les antigen c'est là ça open enrollment là j'aime t'en dire nous donc si nous pas à l'aise avec plan yo nous capable toujours capable changer les après à bien l'autre porte cap ouvrir pour nous capable faire ça. Donc comme nous dit nous tap dit nous pas avec qu'un mot trop longtemps parce que senti aperçu me tap ban nous parce que me connais époque là près et en paquet mon après les me pour demander mes informations, me devle dit nous oui, nous disponible pour nous barre toute information, toute éducation besoin, ou après les moi dans 203 246 2026 et non moi c'est Jeannette Jean-Pierre. Merci. Téléspectateurs, nous retournons encore pour nous capables de faire un petit conduit, puis on dit un petit morceau plus dans l'information. Il y a des gens qui confondent Medicare avec Medicaid. Medicaid, dans lui-même, c'est là où pas gagne suffisamment l'argent, ni pas gagne un paquet de gros bagages sous nom, ou caille, ou cause ça, l'État considéré pour faire un Medicaid. Dans le Connecticut, il y a les Husky. Les Husky programme, c'est lui-même qui fait un sous qualifié des fois pour food stamp ou qualifié pour un paquet de l'autre bagaille hardship si tant qu'on besoin payer et électricité ou ben utilité ou donc un programme que les hardship programme ou quand même payer la $50 même quand $25 depuis ou gagne un certain bail dans Medicaid là donc moi même pas réellement dans Medicaid là plus dans Medicare là depuis moi gagne 65 ans ou puis on gagne plus ou bien sous un retirement bonheur de pour gain Medicare code là petit code qui blanc bleu et rouge li blanc et puis il gon trace bleu sous tête li puis il gain rouge la donne et puis et c'est Medicare là que lié donc avec code ça ou capable combiner li sous gain capable garder moi si toutefois tu es qualifié pour Medicaid là ou combiner Medicare là à Medicaid là pour plus en programme que tu es capable jouer tous les deux ensemble. Mais pas oublier Medicare en lui-même, c'est 80% le couvrir. Quel que soit Jean ou gagnant et 80% le couvrir. Donc si vous venez Medicaid là avec lui, une belle combinaison qu'a fait ou capable qualifier pour payer l'autre 20% partie. Imaginez ou gagne 80% le couvrir ou nien aller à l'hôpital ou dormir ou faire 2-3 semaines. 20% ça vient en pile. Et peut-être ça, c'est pour nous chercher exactement plan qui est approprié ensemble avec nous. Hein? Ou bien si nous avons confusion entre qui gens pour nous utiliser, nous avons toujours relé moins. Si nous pas de Medicaid, il y a des gens qui pas qualifié pour gagner Medicaid. Là, ou bien même le bon Medicaid, là, mais qui couvre seulement 20%, hein? Mais ou pas bao tout l'autre priority qu'il te ka gen la dan yo tant qu'au food stamp tant qu'au ici l'autre bon manger pour te manger pour etc. En pile monde confond que c'est Medicare là qui paye qui voye manger la caillou tout ça donc tout bail ce sont gros et en fenêtre pour nous pour me te ka expliquer nous parce que mon paquet de bénéfices qui gagne et ensemble avec Medicare là ou capable jouer mais sous pas connaît ou capable pas connaît qui gens pour passer pour jouer yo. Donc j'en nous dit là moi là pour ban nous information moi parler langue nous capable reler moi à n'importe quel moment quitter message pour moi même là dans espagnol anglais toute langue qui sous ba yo c'est toujours moi même numéro ban nous hein c'est Jeannette Jean-Pierre encore une fois c'est 203 246 2026
Donc, on là pour me porter toute information que nous gagnons. Et prochainement, on a pour retourner encore, même le passer sous Medicare, de la Medicare aujourd'hui. Hein, et on a pour retourner sous et pour programme habituel que nous avons fait pour la communauté, hein, programme santé, et tout ça, on a déroulé en plus amplement. Tout ça, on a porté pour Medicare, c'est de santé tout, parce que c'est santé qui couvre Medicaid, c'est santé qui couvre tout. Donc, nous intéressés à bien-être physiologique ou émotionnel ou physique ou dans tout sens du mot, parce que il y a des gens qui ne recevront pas quatre coups de fil de bill, il n'y a pas qu'on qui j'en pour régler les bill. Mais si on a pris les noms de Californie, la parler tout anglais, ça y est. Nous pas ka jam di mon nan, m'pa konnen non ki jam pale m gen, yo mana m gen ici l'autre bord, mon nan rele mwen di mi men m la donne, pa konn ki jam te fè la donne, et puis kounyan pi mêlé, et puis gon paquet bill ka rentre m'pa konnen. Nous pas ka joine mon ça pour aider nous à faire bagay bill ça. Donc c'est peut-être ça. Moi non service pour communauté hein, nous capable toujours rele mwen, nous capable parler ensemble avec nous, nous pa bon permission pour moi parler ensemble avec nous dans question ça yo pour nous capable résoudre un peu et situation qui en pile fois qui ont gens difficile pour résoudre parce que l'on va fin mais stop ou bon ti ou obligé à pas passer des détours qui ou faut penser le prend paquet de case management pour on l'autre monde qui était déjà crasé et qui était déjà pas fait travailler bien et puis pour l'autre pick up à cause de confusion avec de problèmes langage, d'autres en plus avec manque d'éducation. Donc encore si nous avons besoin de plus d'informations ou bien besoin d'éléments à n'importe quel moment, téléphone-moi c'est 203 246 2026 ou bien nous capable toujours relayer Telo Show, il capable toujours bon nous et informations que nous t'es capable besoin ou bien directement là-bas nous numéro téléphone moi pour nous capable contacter ensemble avec moi. Eh bien, téléspectateurs, nous sommes contents, oui, nous avons passé ce moment ensemble avec nous. L'écoute, nous avons envie de toujours, mais malheureusement, nous avons gagné pour nous parler plus de bagailles. Donc, nous allons parler encore la prochaine fois. Et merci beaucoup de ce que nous avons tendu le programme. Oui. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Bon, et bien que nous avons annoncé là, nous recevons Kevin. Souvent podium en télé show. Bon, je vais quitter à Kevin, lui-même vous présenter tête libre. On se croit que vous connaissez, il fait le graphic design. Il est un graphic designer. Graphic design, c'est un. Son va écrire réellement. Et il y a un grand aspect que le couvrir. Bon? Et bon, pas capable, bon, ma graphique designer, pas capable de en détail ça, mais ma petite Kevin dit lui-même. Kevin, how are you doing? I'm good, sir. Welcome to the Telo Show. Thanks for having me. Okay, you're welcome. Now, can you tell the viewers who is Kevin? Okay. Why are you here today? So, my name is Kevin Lord-Josu, and I'm originally born here in the United States, but I grew up in Haiti. And you know, through my educational background, I went to Penn State. I graduated with a degree in electrical engineering. I did engineering for a little bit, went back to get my master's in mm-hmm. engineering management. Mm-hmm. And now I run a company called Business Starters. And our goal, what we try to achieve is we want to help minorities specifically mm-hmm. in the small business environment understand the technology that they have at their disposal so they can, you know, boost their online presence and get more clients for their company. Okay, now, Business Starters, it is not just web design, you know, it's broader than that, right? Yeah. Can you elaborate on in detail what you do offer at Business Starters? Yeah, so with Business Starters, we do a full service consultation for any entrepreneur or any small business owners that want to, like, for example, let's say you want to enhance your web presence, you want to understand, you know, what tools you need to use to be able to market your product. I don't mean to cut you, Kevin, but you mm-hmm. said something that's very important here, but you missed one word. Mm-hmm. You say full service consultation, but you didn't add the word free that I see on the website.
You have a free consultation. Free consult. Okay. Okay, that's important. Okay. Yeah. Okay. Keep going. Okay. Okay. You want me to repeat that? No, I mean, it's up to you. Okay. At Business Starters, we offer free full service consultation, which allows small businesses and entrepreneurs looking to start their first business to understand how to enhance their web presence. So more specifically, you know, building your website, making sure you understand how to market your products and services through social media and bring more leads onto your website. And also too, we help with business registration for people who are looking to understand, you know, what type of structure they need to open their business under. And also too, we also do app development consulting for entrepreneurs who want to, you know, build a mobile app for iOS or Android. And we help you understand how to leverage these technologies in order to expand your business and be able to be successful in your industry. There's one thing that I was going through your website, and there's one thing that I do agree with, the fact that you mentioned on the website that having a business, open a business, you know, it have all the shelf full of stuff, whatever it is, whatever you have, you know, you're selling. That's not all. The thing is that you have to show your presence out there. Yes. And that is the only way that you can do it, by doing on the internet. The internet, yeah. You know, that's how all businesses are going about marketing their products and services. Mm-hmm. Competition. Mm-hmm. You have to be able to pay attention to the competition and understand what can you do better in order to attract the most people you can to your business. Mm-hmm. Now, I noticed that you have done a few design here as far as Penn State's concerned, and then you have something with what is that hating? I'm glad that you asked. So Hey is Business Starters' official first product. Uh-huh. Hey is a voice-only dating app that we have been building, more specifically in the past 3 months. Uh-huh. So Business Starters got accepted into a three-month entrepreneurship program with Hey. Okay. Through Penn State. Uh-huh. And Penn State gave us a grant of $15,000 to focus on building that idea into a full product. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And what about the launch box? That was the program that we were part of. Oh, that's a program. Yeah, Penn State has a division called the Launch Box, uh-huh, which helps student entrepreneurship. Uh-huh. So during my time at Penn State, I took the advantage of enrolling Business Starters into the Launch Box program. Okay, now, you have been doing that for a long time. I've been running Business Starters for 2 years now. 2 years, and yeah. I have to tell me about It's been an interesting start, you know, myself, you know, having to understand what entrepreneurship was. Mm-hmm. There's been, you know, a lot of lessons learned throughout the process. But Business Starters, we are thriving. We've worked with some interesting clients before, building websites for them, helping them work with on their social media. Mm-hmm. And we're continuing to grow, and we're out here, you know, looking for more people to help. You know, while you're answering that question for me, that I noticed that you didn't talk about it's very productive, we make money, we make this. I like that, you know, mm-hmm, because you're not focused on the money that I like for to make. You're focused on getting to know the business. You make mistakes, you learn from it. You know, that's what you just said, right? Yes. And which is good, you know, when you do that, I know a guy that was at a school of medicine in New York, NYU. Mm-hmm. NYU, and then he was there for 14 years. Yeah. He was there for 14 years. Do you know that guy? I mean, he almost repeated every year, you know, and that guy came out, and in less than 5 years, mm-hmm, he became director of one of the hospitals in Brooklyn. You know, I mean, you know, making mistakes is not, you know, sometimes it's good, you know. I mean, you know, like, nobody likes to make mistakes. Yeah. But you learn, if you learn from your mistake, that, you know, that's the greatest, you know. Now, okay,
I'm going to ask you something. I mean, you don't have to answer me straightforward. You can go around in the bushes, whatever you want to do. As far as your prices, how do you do that? So it depends. No, you don't want to ask me that because my viewers are majority Haitian, you know? Yeah. And I'm a majority small business, you know? And some of them probably just start the business. Some of them probably have the business for so long. And that's why I'm going to ask you that question before. People that have the business for so long, but the business just turning around, and never work. Because there is no exposure out there, you know? They don't know about them, you know? So, and those people, I mean, like in our community, you know, they cannot for that much, and not even commercial. You know, as a TV program, we don't do commercial. You know, yeah. We don't do commercial. Like, we invite people, professional people, to come. You know, they come on their own, and then we sit down with them. But they might probably be profit for me. You know, but we cannot, charge them. We're not supposed to do that. Yeah. But we. I mean, we satisfy enough that we have them sometimes as a guest, you know. Yes. Because from that, the community benefit from that, you know, yes. Which is what we're looking for, like the community to, you know, to learn and to, I mean, be aware what's out there, you know. Yes. And to go back to that question, and you don't have to answer, but I know we had had that conversation before. Yeah. I mean, it's all depend on the business. It all depends on the business. It depends on the market that you're looking to serve, mm-hmm. and it depends how big of a website that you're looking for. Okay. Yeah, we've worked with all different. It's also depend on the exposure that you're looking for. If you want the North region or the East region, yes. Whatever it is, or if you want the whole United States, whatever it is, you can provide that. Yes. So through our consultation, we help you determine everything that you will need. And then from there, we work on a price point that works for both parties. Now, how do somebody contact you? So there's a couple places. First of all, our website, bizstarters.com, bizstarters.com. Okay, we'll put that on the screen. Yes. Through our website, there is a contact us button where if you want a consultation from any member of our team, you can put in your information, your name, email address, and details to contact you, and we can set up a meeting with you. Also, too, there is our phone number listed on the website, 203-296-3082. You can always give us a call at any time, and a member of our team Kevin, on ne parle pas les créoles, on fait un débat avec moi en anglais. Oui. On a fait même 10 sur ta même 10 viewers. Parle avec viewers. Oui. So, ça me devait dire tout viewers, c'est que nous là pour nous. Bu Business Status, c'est nous voulons voir monde qui est dans la communauté haïtienne qui gagne une bonne idée dans mes yeux et qui ont business que vous sentez que vous êtes arrivé plus loin ensemble avec elle. Nous pas capable nous là pour nous aider, nous là pour nous aider à comprendre technologie qui dehors qu'on a utilisé dans avantage nous et nous voulons que vous succédez avec business. So Business Talkers là pour aider nous tous. Si vous voulez contacter nous et nous capable pour une consultation pour nous vraiment ouais qui j'en consultation. Consultation gratis. FAE free t-shirt. Ok, Kevin, je vais vous ajouter encore, il y a quelque chose à faire avant que nous. And also too, for those of you who are, should I say it in Creole? Yeah, that's fine. It is my. It's up to you. Yeah, I can actually mention about the dating app too. Yeah, you can say anything you want. That's your time. Yeah, go on the application too. Que business stuff is développé, qui c'est hey. Et son application rencontre qui marche à mois seulement. But c'est que nous voulons permettre tout le monde concentrer sur conversation émotionnelle et nous pas encourager le monde pour choisir le monde que vous voulez rencontrer selon. The goal is we favor emotional connection building over
judging people based on their physical appearance. If you would like, check us out on Instagram. We are The Real Hey App, and you can download us on the iOS platform, and you can also download us on the Android platform too. So it says, hey, is that also a dating app, or is it? Yes, so... with social dating? Yeah, Hey is a dating app where there's no profile pictures involved. Oh, yeah, okay. There's none of that. It's, wow. Yeah, you just sign up on the app, you pick your gender preference, your age preference, mm-hmm. and Hey is going to support location-based matches, okay. and then you can match with anyone in your area and get on an instant conversation with them. Okay. Yeah. And it's only voice, it's all purely, you know, old school, going yeah. back to, you know, talking on, like, okay. you know, talking on the phone, yeah, talking on the and phone. Building an emotional connection. Yeah. Yeah. No, no physical appearance. That is not the focus. That's not what we want to encourage people to do. Very good. Very yeah. good. But that's already in process? That's already in process, yeah. The app is already out on the Android platform, uh-huh. the Google Play Store, uh-huh. and we are still working on the iOS version, but it's available for people interested. Yeah, let us know when you're doing the launching. Yeah, we know oh, yes. And we'll do that tomorrow. That's yes. good. Very good. All right, so Kevin, merci pour moi. Merci pour ta stop by. Yep. And I wish you all the luck. Thank you. Anytime you want to come back, that's fine. You know, let us know what's going on. And then hey, we'll try our best to help you. Okay. Thank all you right. very much. Thanks for having me. All right, Kevin. No problem. Mesdames, messieurs, nous avons un break. Nous avons retourné tout à l'heure avec suite émission. À tout à l'heure. Ladies and gentlemen, the United Haitian American Society proudly presents the UHAS Annual Gala. Saturday, December 17, 2022, the number one spot to be is at Pistols Catering Hall, 1775 Madison Avenue, Bridgeport, Connecticut. Please join us in support of a good cause. Why not party the night away with great friends, great food, music, and more? Vin Fechadel! Ladies and gentlemen, the United Haitian American Society proudly presents the UHAS Annual Gala. Saturday, December 17, 2022, the number one spot to be is at Pistols Catering Hall, 1775 Madison Avenue, Bridgeport, Connecticut. Please join us in support of a good cause. Why not party the night away with great friends, great food, music, and more? Vin Fechadel! Bon, mesdames, messieurs, nous retournons pour nous procéder à la fermeture. Et bon, on a, il faut que nous allions. Et puis, bon, nous t'a souhaité que vous enjoy le show avec Dia. Et puis, vous gagnez un peu d'informations que nous avons. Surtout, et nous gagnez la visite de Diva Noir et Pascal Millien-Faustin. Nous souhaitons que nous enjoyons les. Et puis, au nom de Tello Show, au nom de moi-même, au nom de Claude Tour, hein, on dit à Pascal, congratulations. Et puis, et ensuite, nous avons Kevin Lord Josier, que nous te recevons tout, qui bon, est un jeune, très, très, très dynamique, un web designer que nous souhaitons que vous contactez lui pour nous capables de faire marcher dans la communauté. Très prochainement, nous avons pour nous recevoir un lot en jeune dans la communauté qui a fait un travail dynamique tout que nous avons recevoir. Ça, c'est dans l'autre domaine lié lui-même. Lui-même, dans le domaine investissement. Donc, c'est ça nous fait. On va dans le show. Ou même tout ce qu'on est en monde que vous pensez qui mérite de venir sur table là avec nous, avec nous, pour nous faire promotionner. Et nous, more than welcome to that, to do that. OK? Good? Bon, c'est avec un peu plaisir de les secrétaires nous avons. Nous pouvons dire une brève information qui a passé à Haïti pour vous. Et nous pouvons tout des activités socioculturelles qui ont fait dans la communauté. Et nous pouvons tout des sujets d'éducation que nous avons servi dans la vie en général et dans l'émission ça à soir. Et nous espérons, nous avons tourné dans 8 ans avec. Plus d'informations pour vous, plus de bains pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Non, moi, c'est Claude Jean-Jacques. À la prochaine, non, moi, c'est Jean-Louis.